Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Inauguration de deux nouveaux bâtiments pour la police nationale à Port-Bouy. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Dans la commune de Port-Bouy, la sécurité des personnes et des biens se renforce. Le district de police de Port-Bouy ainsi que le commissariat de police du 42e arrondissement ont été inaugurés, ce qui marque une étape importante dans le renforcement des infrastructures de sécurité dans la commune. Deux nouveaux bâtiments, un don de la municipalité d'un montant total de 500 millions de francs CFA, leur construction pour objectif d'améliorer les conditions de travail des forces de l'ordre et de renforcer leur capacité d'intervention afin d'assurer la sécurité des populations. Le double défi d'apporter une solution sécuritaire à ces nouveaux quartiers de la route Bassam et de ramener le district de police dans notre commune qui a motivé le conseil municipal et moi-même à inscrire dès notre première mandature, la construction de ces deux édifices au budget. Selon le général Vagondo Diomandi, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ces deux bâtiments permettront à la police nationale de réaliser de manière plus efficace ses missions régaliennes. Il a saisi cette opportunité pour encourager les habitants à travailler en collaboration avec la police afin de mieux combattre le grand banditisme. La sécurité n'a pas de couleur. La sécurité n'a pas de paix. La sécurité n'a pas de sœur. La sécurité est la même pour tout le monde. Et cette sécurité-là doit nous tenir à cœur. Nous avons mis en place le concept de la police de proximité, car nous avons compris que la sécurité et les forces de sécurité ne peuvent pas être efficaces sans la contribution des populations pour lesquelles nous sommes là. Mesdames et messieurs, votre contribution est importante. Nous devons faire en sorte que la complicité entre les forces de défense et de sécurité et la population soit de mise. L'opération Vacances Sécurité 9 a également été lancée par la Direction Générale de la Police Nationale lors de cette cérémonie. Cette initiative vise à augmenter la sécurité pendant les vacances, période souvent caractérisée par une augmentation des délits ainsi que des incivilités. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.